On mange ensemble. Bon, on mange la seda, pour ceux qui connaissent. Ou sinon, pour les chleufs, ça s'appelle tagoula chez nous. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. C'est un plat très ancien. Je sais pas s'il y a encore des gens qui mangent ça, mais ça me fait plaisir. Ça me fait rappeler les souvenirs d'antan. Oui. Bon, bismillah. C'est vraiment... Ça me rappelle beaucoup de choses. Nti, t'aimes bien la seda ou t'aimes pas trop, Nti? Vous pouvez le manger aussi avec l'ibn, mais moi je déteste l'ibn. J'aime pas l'ibn. Mais sinon, toi tu préfères ma l'ibn, non? Je préfère. La pchidam, elle préfère ma l'ibn. Mais tu n'as que l'ibn? C'est très bon. Ma mère, elle mange même. En fait, vous savez pourquoi j'aime bien? Parce que ça me fait penser à ma grand-mère, ça me fait penser à moi. L'ayrhama. Elle mangeait tout le temps ça. Même Hujouba, l'ayrhama, elle mangeait ça. Ma tante aussi, elle mangeait ça. En fait, ça me fait penser à ma famille. Donc, ça me fait penser à quand j'ai grandi à Marrakech. On était tous. Ouais. Il n'y a plus beaucoup de gens, Tayakola. C'est là, je vois plus trop de gens. Encore? Bah oui. C'est pas un truc que nous? Bon, comme je suis au régime, je vais manger que ça. Et en plus, c'est très sain, donc je vais m'abstenir et je vais manger que ça. J'ai faim! C'est juste une entrée, les filles. C'est juste une entrée. J'ai faim. Moi, je vais jamais réussir à faire un régime. Ma mère m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Fourchette. Non, la petite dame. Et c'est un petit coquelet comme ça avec du riz, sauce riz racha par dessus. C'est évidemment pas du ketchup, je déteste le ketchup. C'est bien. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, on s'est disputé avec la petite dame parce que elle me dit, je lui dis oui, vu que cet été, Inch'Allah, on va aller au Maroc en voiture, encore une fois, plus envie de prendre le risque avec ma voiture avec laquelle je suis allée l'année dernière. Je suis allée de Paris jusqu'à Marrakech sans frein à main, sans truc. Tous les garagistes m'avaient déconseillé de prendre de la route. Et je suis quand même allée, bon, alhamdoulilah, que Dieu est avec nous. Et qu'à l'aller et au retour, elle a très bien tenu. Mais cette année, je lui ai dit, on vend la voiture, on achète une autre. Et ma mère m'a dit, bah bien, on y va en avion au Maroc et on achète la voiture au Maroc. Et après, je lui ai dit, bah non, parce que... Les voitures, elles ont été créées en Allemagne ou en France. Genre, par exemple, Peugeot, c'est en France. Renault, c'est en France. Ou Volkswagen, par exemple, c'est en Allemagne. Et là, ma mère m'a dit, Quoi? Renault, c'est à nous, les Marocains. Je lui ai dit, bah non, Renault, c'est ici. Elle me dit, n'importe quoi. Et elle jure que Renault, c'est au Maroc. Oh non. Je suis encore plus fière que toi d'être marocaine. Mais Renault, c'est pas une très bonne marque. C'est au Marocain, Renault. C'est à nous, les petites dames. Tout est à nous. On est à le Maghreb, on est à le Maghreb. Merci, je suis d'accord avec moi. Elle rigole, mais tout à l'heure, elle était vexée. Elle était là, regarde au Maroc. J'ai dit, bah non, c'est pas au Maroc et tout. Elle s'est énervée. Mais il doit y avoir des marques marocaines, je suis sûre. Juste, je sais pas c'est quoi, Non, mais des marques connues marocaines, il doit y avoir. Non, moi je connais pas bien les voitures, mais il doit y avoir forcément. Honda, t'as le Maghreb. Honda? Mais je pense que Honda, ils ont fait beaucoup de choses. Alors, si c'est vraiment au Maroc, Honda, ils ont fait des motos, plein de choses. Non, mais les Maroc, je sais pas. Je crois pas. C'est à nous, la petite dame. Je sais pas. J'ai mangé le citron. Délicieux. Un peu de sauce. Ah oui, et ma mère là, elle a préparé la seda pour elle. Et je vais goûter avec vous dans une nouvelle vidéo. La seda bishleha déjà, j'ai oublié. Tagoula pour les cheveux. Si vous connaissez, je sais pas, il doit pas y avoir beaucoup de gens qui connaissent la seda. Parce que c'est un plat ancien. Mais c'est pas un plat. Bon. Bon, la meilleure partie de crème d'habitude, vous savez ce que c'est dans un poulet, c'est la gorge. On vient de terminer la vidéo. Non, là, c'est pas possible. Ouais, ne parle pas. En fait, les filles, je vous explique. Désolée, mais là, je peux pas. Je vous explique. On vient de finir une vidéo. Et en fait, c'est un jeu. Soit tu tombes sur un go, genre caca, vomi, des trucs comme ça. Soit tu tombes sur un bon jeu. Et depuis tout à l'heure, on le fait. Et lui, il tombe sur des trucs mauvais. Mais que sur de la merde. Que les crottes, que les escargots. Ça fait 3 minutes qu'on a la vidéo. La vidéo.
Elle est partie, on sait pas où. La vidéo part, elle a disparu. C'est-à-dire là, faut qu'on recommence. On enregistre depuis tard, donc faut qu'on recommence. Donc, on recommence tout à zéro. On recommence tout. C'est un jeu que vous retrouvez sur le site Breakin, ok? Breakin. Sur... Ouais, ils sont trop gentils. Top. Sur tout le site, vous avez moins 20% avec le code, hein, sur tout. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, vous pouvez acheter plein de. Bon, allez, on commence. On va recommencer la première vidéo. Ils m'ont dit c'est juste un cadeau, on veut rien. Oui. Bon, jaune, c'est soit goût escargot, soit goût tutti frutti. Ah, il y a des escargots, j'ai déjà mangé. Et tropical. Allez, ou escargot c'est... Et c'est pas escargot du Maroc, Badbouche, Talmreb. Escargot, il est constipé, l'escargot. Vas-y, il est essaie, mange-le. C'est bien. Putain. Ah là. Tutti frutti. Crotte de nez, soit. Attends. Depuis l'autre vidéo, elle est tombée sur aucun truc de merde. Elle est tombée que sur les bons trucs. C'est bizarre ça. C'est soit. Et soit crotte de nez, soit. Poire. Dégueulasse. Oh mon dieu. Je sais pas comment. Je sais pas comment vous êtes débrouillé pour faire la crotte de nez ou l'escargot, mais c'est encore pire qu'une crotte de nez. Pourquoi faire tout ça? Non, il faut de l'eau, ouais. Pourquoi ce jeu? Pourquoi? Pourquoi? C'est rigolo. De vouloir envie de vomir. Première fois qu'elle tombe, hein. Pendant 30 minutes à la fois. Faites pas le même verre, toi, je suis c'est plus bon, allez, arrête. Lui, il a mangé tout, il a mangé crotte de chien, tout. Donc là, il a une odeur très spéciale. Vas-y, fais tourner mon inox. Bon, là, c'est marron. Pourquoi t'as fait ça? Il a bougé de 2 cm. Voilà. Marron. Il est revenu à la même case. Alors, c'est soit cola, soit crotte pour chien. Croquette pour chien. Fiarbe que je tombe sur Coca-Cola. Je peux pas, non mais qu'est-ce que je peux manger? Wallah, c'est pas possible! Non, c'est trop réaliste les gens, comme. Les gens, c'est tellement réaliste que c'est pire que le vrai. Regardez, c'est pas fait ça. Je peux pas, c'est insupportable comme vous. Comment t'as fait pour manger ça depuis tout à l'heure? Mais. Insupportable. Le bleu. Ah, ça va, bleu. Franchement, le bleu, même si tu. C'est quoi? Ils ont été sympas. Dentifrice, c'est bon. C'est très bon, c'est très mentholé. Dentifrice aussi. C'est bon. Je préfère dentifrice que tout le reste. C'est mentholé. Bouge-le dans toute ta bouche comme ça nettoie. C'est une dernière fois. Non, bouge les bonbons dans toute ta bouche. Oui. Ah, mes doigts ils puent. Jaune. Jaune, c'est soit banane, soit poulpe. Ah, le. Wallah. Ah ouais, attends. C'est le pire. Le poulpe. C'est soit banane, soit poulpe. Le poulpe, j'ai goûté, c'est le pire de tous. C'est ça qui a embaumé toute la pièce. Le poulpe, il est constipé. Le poulpe, il est dégueulasse. C'est ça qui, tu sais que c'est Manel, c'est ça qui a mis cette odeur. Hein, ouais, c'est l'odeur du poulpe. Eh, non, voilà, je peux. Dans toute la salle. Ouf, avec mes. Poulpe, j'ai croqué dedans, elle n'est pas tombée dessus. Toute la pièce a été inondée de poulpe. Bon, vas-y, allez. Ah non, mais je peux pas. Mémé. Bismillah. Ah, j'ai peur. Après, si c'est le poulpe, on arrête tout. Après, tu vois, faut laver la bouche et tout. Vomir. Bismillah. J'ai peur, voilà. Non. Pas tombé. Oh là, ça. Hey, dès que j'écoute le jeu, je tombe sur le poulpe tout le temps. Oui, c'est bon. Banane, ça. Quand ma mère elle m'a fait ce plat-là, bon, elle m'a fait des plats mystères, des boules mystères. Elle m'a fait des boules mystères, donc chaque boule a un goût différent. Et elle m'a fait du saumon comme ça, c'est excellent. Et je vais vous dire une chose avec le saumon comme ça. Attendez. Oh mon dieu, il est incroyable. Je sais qu'il y en a plein qui vont trouver que la peau, c'est dégueulasse de manger la peau. C'est vrai qu'habituellement, je mange pas la peau, mais sur ce saumon-là que ma mère, elle achète, il est incroyable. La peau, elle est croustillante. La peau est excellente. Vraiment. Bon, on va goûter les boules mystères. Ça va, je vais boire. Je prends un petit bubble tea framboise. Ils sont très bons, ceux-là. Ça fait trop mal aux dents. Bon, alors on goûte les boules mystères. Bismillah. Pommes de terre, œufs. Œufs de caille. Très bon. On goûte lui. Saumon. Très 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 bon. Saumon pomme de terre.
Il y a un troisième goût ou pas? Non. Non. Okay. C'est très bien, merci ma petite amie. Il y a deux goûts. Saumon. Ok. Très bon. Je reprends un petit saumon. C'était mon anniversaire, donc j'ai eu 26 ans il y a pas longtemps. Et moi, il faut savoir un truc avec moi, c'est que je retire toutes mes dates d'anniversaire de partout, et parce que je veux pas recevoir de cadeaux, je sais pas comment réagir. Et il y a Breaking, vous savez, c'est une boutique de bonbons, de voilà, c'est des collaborateurs qui sont devenus des amis de par leur bonté d'âme et tout. Et ben, je sais pas comment ils ont su ma date d'anniversaire, et ils vont faire un cadeau. Mmh. Voilà, ça me, c'est vraiment, je peux. Ah, c'est pour ça que je peux pas donner ma date. J'ai tout fait les filles pour cacher ma date. Y a personne qui connaît ma date d'anniversaire. Je l'ai même enlevé de Snap. Bref, bah voilà, mon premier truc Dior. C'est trop gentil. Ouais, je sais même pas comment réagir. Ne regardez pas. Bon. Attendez. C'est quoi? Ferme les yeux. Il m'a mis plein de maquillage. Oh non, il m'a mis là. Alors déjà, je crois que je connais lui, c'est le blush Dior. Je l'ai en rose et je l'ai en orange. Pitié que ce soit une autre teinte, comme ça j'ai une collection. Pitié. Oh, c'est une autre teinte. Ah non, c'est le rose. Ah, c'est pas grave, je suis contente parce que je l'aime beaucoup le rose et je le mets en parcimonie. Je suis trop contente quand même parce que le rose, je vous jure que je le mets par parcimonie. Il est trop bien, vraiment. Je le mets tout doucement parce qu'il coûte très cher, ce blush Dior. Je suis très contente, très reconnaissante. Merci beaucoup, Breaking. Trop mignon. Ensuite, ils m'ont mis un petit sérum. Alors, c'est un petit sérum Le Capital. Voilà, on le sent. Ça sent très très bon. Ah, ils m'ont mis un... Ah non. Oh non, ils m'ont mis un anti-cerne, je crois. Ah non, un gloss, un highlighter rose. Il est beau. Il sent bon. Et je suis très contente. C'est un gloss. Un illuminateur. Waouh. Il est magnifique. Il est beau. Merci, ma petite dame. Ils sont trop gentils. Ensuite, ils m'ont mis une huile à lèvres. C'est trop. C'est trop, ouais. Ils auraient pas dû faire tout ça. Elle est magnifique en rose. Elle sent bon. Elle picote un peu. Trop belle. Je suis trop contente. Je vais les ranger dans la trousse. Je suis trop contente. C'est trop gentil. Fallait pas. Moi, je cache ma date d'anniversaire pour ça. Fallait pas, mais je suis très contente. Merci. Merci. Becky, Breaking, merci beaucoup. Et sa femme, trop gentille. Ses filles aussi, trop gentilles. Tout le monde. Merci beaucoup, vraiment. Ils sont tous très gentils. Merci infiniment. Je vous le rendrai fois 1000. J'essaierai en tout cas. Trop chou. Crème protectrice. Trop bien. Crème correction et rides. Okay. Je suis trop contente d'avoir tous ces petits trucs. Trop bien. Alors, et ça, c'est Lip Maximizer. Un autre. Ils ont pris un autre pour les lèvres. Ils ont beaucoup pensé à mes pneus. Ah, c'est lui. Oh là là, je l'aime trop. Lui, chauffer la petite dame. Un vrai gloss. Il est magnifique. Waouh, en rose. Oh là là. Non, je suis obligée de les tester. T'aimes bien? Il est très bon. Il est très beau. Je t'aurais tout donné si tu te maquilles, mais la fille dame, elle se maquille pas. Elle a dit Anna, je te maquille pas. Hein. Je maquille pas. Merci beaucoup pour tous ces petits cadeaux. Je suis trop. Ces grands cadeaux. Ces gros cadeaux. Merci infiniment. Je suis trop heureuse. Merci, la fille. Je mets tout dans la petite trousse. Mais merci infiniment. Ça me va droit au cœur. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Cachez-moi. Et aujourd'hui, la petite dame, elle a préparé des petites... comment ça s'appelle ça, ma petite dame? Qui t'a appris? Ma tête. Elle dit ma tête. Bismillah. Ça a l'air trop bon. Poule. Boulilou, ma la coquille belle. Ah oui, ma mère. Parce que maintenant, ma mère lit les commentaires. C'est bon, je vais montrer comment faire maintenant, regarde tous mes commentaires. C'est pour ça que je supprime les commentaires des haters.
parce qu'après ma mère m'a dit de vous dire que les deux poulets que j'ai mangés hier, c'était pas des poulets, c'était des coquelets. Mais pourquoi tu veux que je dise ça absolument? Parce que les gens ils disent, fais le commentaire, mais là on est 5 personnes, on mange pas. Ah, genre je mange beaucoup? Non, j'ai pas mangé deux poulets, c'était deux petits coquelets. C'est trop trop bon. Oh là là, ah c'est pas les mêmes, celui-là il est au custard. Incroyable. Oh là là. C'est délicieux. Oh là là, tu les as trop bien fait. Alice m'a chuchoté. Laisse-moi parler. C'est l'idée de ma mère. Et ma partie préférée dans le poulet, c'est la gorge. Cette partie n'a rien à voir avec toutes les autres parties d'un poulet. Vraiment. C'est délicieux, la gorge. Les œufs très bons aussi. Et le kobla du foie. Ma mère, après ma tante, ma mère, elle a essayé de faire le chocolat à la marquise. Je viens de rentrer à la maison, elle m'a dit, j'ai pas regardé, elle était énervée, elle m'a dit, j'ai pas regardé la recette, j'ai raté mes gouttes. Ok, bah je ferme les yeux. Dire plaisir à ma fille. Okay. Et à les abonnés, dire le... Ok, Allah, vas-y, je ferme les yeux. C'est vrai que la petite dame, elle fait jamais de pâtisserie. Ouais, jamais. Elle est plus salée, mais j'ai hâte de voir, vas-y, parce que c'est vrai que tu me fais jamais des gâteaux. Bon. Elle va fermer les yeux. Ok. Pourquoi vous voulez pas? Parce qu'il y en a des vues, c'était ma tante, maintenant c'est ma mère. Pourquoi elle veut absolument me refaire ce chocolat? Yala. C'est bon? Il est où? Je suis trop hâte. Il est magique, ça. Ok, oui, c'est sûr. Il est où? Ah, lui aussi, sur un plateau? Oui. Ah! Non, il est beau, là. Il est beau. Ah, non, il est beau. Non, il est pas comme la seda, il est très beau. Bon, on va voir si à l'intérieur il est comme celui de. Bismillah. Non, il est très bon, mais elle est où la pistache? Il est très bon. Wallah, la razoum, il est très bon, mais juste elle est où la pistache? Par contre, tu vois, elle est juste. T'as mis une queue? Oh merde, il y avait des grammes de pistache sur les. Oh non, c'est vrai que ça. T'as mis Nutella là? Allez là, la pisse. Allez là. Bon. Mais les chevilles, elle est assez magnifique. Ouais, elle est fine. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. Il est bon. Par contre, t'as bien réussi quand même de faire ça. T'en as autour de toi. Ouais, demain tu vas recommencer, mais je vais leur montrer celui. Demain, je peux leur montrer celui-là, s'il te plaît. Il est bien, ouais. Non, il est pas bien. Je te jure qu'il est bien. J'ai rien à voir. Il est mieux. Ma petite dame, parce que c'est toi qui l'as fait. Il est mieux dans mon cœur, voilà. Non, rien à voir, voilà. Il est bon. En tout cas, il est bon. Il fait pas kharch. Ouais, c'est vrai, il croustille pas, mais il est très bon. Très bon. Non, le matin. Si, je le poste, maman. Et demain, tu refais un, je posterai. S'il te plaît. Bon, comme ça, il voit l'évolution. Elle t'aime bien, tout le monde t'aime bien. Personne ne va te critiquer. Là, si, s'il te plaît. Si, je vais le poster. Attends. Mais il est bon, je trouve, non? Ouais, il est pas bon. Mais parce que la petite dame, elle regarde pas les recettes, elle veut pas regarder les recettes. Là, voilà, elle est. Oui, je sais. Quand je lui dis, maman, regarde la recette d'un truc, elle me dit, me dis pas, regarde la recette. Me dis pas, regarde la. Donc, t'as du chocolat. Vous voyez le chocolat coulant là que j'ai mangé? Et bah, ma tante, elle a fait le même. Elle m'a dit de fermer les yeux et elle allait me le ramener en mode surprise. J'ai trop hâte. Allez. C'est bon, j'ai fermé les yeux, à toi. En gros, ma tante, elle a fait le même chocolat coulant. Vous voyez le chocolat coulant que j'ai mangé? Bah, elle m'a dit en surprise si je t'ai fait le même parce que j'ai vu que t'as aimé. Et en gros, elle m'a fait le même. Et du coup, je ferme les yeux là pour voir. C'est où? Il est là.
Et je peux pas, j'ai pas le matériel adapté, donc. Ah oui, il est comme ça, il est beau. Je l'ai fait comme ça dans un plat. C'est un grand chocolat. Bon, il est grave beau. Ben. Tu goûtes avec la cuillère. Ok. Comme ça. On va essayer si tu veux. Ouais. Voilà. Attends. Okay. Je te ramène une assiette. Je te ramène une assiette. Non, t'inquiète, c'est pas la peine. Non, non, je te ramène une assiette. Va ramener une assiette. Et du coup, bah, il est grand. Il est grand. Alors, je te fais. Parce que, comme j'avais pas le matériel. C'est pas grave, c'est la même chose. C'est une tablette de chocolat, c'est juste qu'elle est sur un plateau. C'est la même chose. Donc, tu peux goûter dans l'assiette. Vas-y. Bismillah. Mmh. Wallah, c'est trop bon, ça, toi. Wallah, halft. Oh, c'est délicieux. C'est très bon. Et en fait, au lieu de mettre de la pistache, t'as mis. Elle a mis un ingrédient secret. Oui. C'est trop bon. Mmh. Voilà. Donc après, bon. Ça fait comme une petite part là, comme ça. Et c'est un peu comme ça. Et il est grave bon, ta toi, je te jure. Je sais pas, mais. Moi, je vais te dire la vérité. Elle a dit, moi, je vais te dire la vérité. Bon, là, c'est bon, j'ai juré. C'est très bon. Mmh. Très voilà. Bon. Tiens, si à goût, tu dis ce que t'en penses. Non, pour toi. En plus, il y a plusieurs couches. Petite fleur. Tu peux me couper en deux, s'il te plaît. Ouais. Il y a plusieurs couches. Bon. T'en penses quoi, Asya? C'est bon, la vérité. C'est bon. C'est juste, moi, j'aime pas trop le sucre, mais c'est super bon. Très bon. Avec mon simple, et aujourd'hui, on a, bismillah, deux petites pommes de terre, du poulet, comme ça, que ma mère, elle fait griller. Elle prépare même la chapelure, c'est trop bon quand elle fait ça. Excellent. Avec zarlouk, aubergine grillée. Et ça, c'est comme une petite salade. C'est très, 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 très bon. Mmh. Je suis tellement faim que j'ai mal à tête. Pommes de terre, elles sont très bonnes. Très bon. Merci. Je sais que t'es malade. C'est moi qui t'ai contaminé, Yek. C'était sûr. Je t'ai dit de pas m'approcher. Là, j'ai fait avec ma petite dame. Salut. Je lui ai dit de pas cuisiner parce qu'elle est malade, mais c'est elle qui cuisine. Les filles croyaient pas, j'ai dit à ma mère, maman, tu sais que tu cuisines quand des trucs comme ça? Jamais, depuis que je suis petite, au contraire. À chaque fois, je te dis, maman, relève une commande. À chaque fois, je lui dis, si t'es fatiguée, une commande, c'est mieux. Oh là, arrête de mentir, maman. Tout le temps, je te dis, on commande ou je te ramène au resto, je ramène ce que tu veux. Là, là, tu sais bien, moi, je mais ma mère, elle est comme moi, c'est un peu une marginale. Donc, quand on va, on n'aime pas, aller au restaurant, on aime bien manger dans la voiture. Donc, faut trouver des drives, faut ci, faut ça. Mais même, je dis, on commande, elle veut pas. Elle me dit, non, non, je vais faire à manger. Moi, il faut que j'apprenne à cuisiner. Mais t'aimes pas ce que je fais, tu n'aimes pas. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. T'aimes pas ce que je fais. C'est pas bon ce que je prépare, c'est la vérité. Même mes pâtes, elles deviennent bizarres. Bah t'as aimé, hein. Faut que j'apprenne, je vais apprendre, là. Le week-end prochain. Tu veux? À partir de maintenant, on mange ensemble. Moi, ce que je prépare, ça dégoûte.